Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Si vous comprenez cette belle langue de Molière, vous êtes au bon endroit pour comprendre ce qui se passe. Essayez de vous défaire de l'endoctrinement, défaire de la propagande, sortir du troupeau de moutons, sortir de l'enclos, plus être prisonnier des boîtes dans lesquels on nous garde bien scellé, pour mieux nous diviser et mieux, plus facilement, régner. Chers amis, c'est le 20 novembre. Ah, hein? 20 novembre, j'ai une obsession avec les erreurs de date, on est le 20 juin, pardonnez-moi. Chers amis, on n'a pas vécu l'été encore qui va être très éprouvant, je vous l'avais dit. Ceux qui pensaient que j'étais en plein délire... Hmm. On va revenir sur l'Orange, sur l'Orange qui a frappé encore une autre région de la France. J'ai plein de messages, c'est hallucinant. On est le 20 juin 2019, 16h09 heure du Québec. Je vous avais dit, ça va être très éprouvant et c'est même pas. C'est à peine commencé et je pense qu'on est déjà en pleine période d'anxiété parce que les changements climatiques sont là, intenses. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui font que c'est intense, qui se réunissent, qui se rencontrent au même moment. Un minimum solaire qui est un grand minimum solaire qui revient tous les 400 ans. C'est tout des cycles. Hein? Donc, ça, c'est important de comprendre ça. L'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, la haute atmosphère qui en subit les conséquences complètement déréglées, le courant le jet stream, le Gulf stream, tout, 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 tout. Et on se retrouve avec une intensification de l'activité volcanique et sismique. Je peux vous dire une chose on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous avais dit l'été qui s'en vient. Préparez-vous, ben ça y est, c'est déjà à peine commencé que les Français, mes cousins, vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages causés. Est... Je reviendrai après. Cette petite publication que je veux vous partager, qui m'a été envoyée par un ami, qui a découvert d'autres infos, d'autres infos que je vous suggère vraiment, les cousins français, c'est un média français de qui sont à majorité des Français de France, mais qui vivent en Amérique. C'est basé en Amérique, donc c'est vraiment intéressant comme point de vue. C'est une autre approche qui vraiment qui tranche avec l'approche des médias européens, qui est vraiment pathétique, endoctrinée, et qui est vraiment au niveau de l'enfantillage. Honnêtement, c'est de l'enfantillage. Donc, on va aller... Voir ça, c'est écrit par Gailly de Dreux Info. Les abeilles disparaissent et nous allons tous mourir. » Il y a combien d'années qu'on terrorise les gens avec la disparition des abeilles? Les médias, les élus, sont là pour vous terroriser, pour vous convaincre qu'eux vont vous sauver. C'est ça, dans le fond. On crée un film d'horreur, puis on arrive par la porte d'en arrière, on dit euh, « Pardon, euh, c'est juste que je voudrais vous dire que on est là pour vous sauver. <laughs> » C'est sûr, c'est eux autres qui ont créé la menace. Ils savent très bien comment la contrôler. Tous les cinq ans, on nous dit que les abeilles vont disparaître. Un coup, ce sont les néonicotinoïdes. Un coup, le glyphosate. Et ma tante, elle bat le beurre. Voilà un article remontant ah, il y a plus de cinq ans, histoire de remettre les pendules à l'heure. Dans un spectaculaire, spectaculaire article annoncé en couverture de 2013, le Times nous avait averti un monde sans abeilles, avec pour sous-titre le prix que nous paierons si nous ne comprenons pas ce qui tue les abeilles. Son auteur a fait valoir que la classe des pesticides agricoles connus comme les néonicotinoïdes tuait les abeilles et que la planète allait mourir de faim si on n'interdisait pas ces produits chimiques immédiatement. Il avait écrit cela parce que sur trois bouchées que nous mangeons aujourd'hui, un dépend de la pollinisation par les abeilles. En bref, pas d'abeilles, pas de nourriture. Genetic Literary Project a examiné ce mythe trois en un dans un précédent article. Il a montré que peu après la publication de l'article du Time, des faits nouveaux sur la santé de la population mondiale d'abeilles ont commencé à modifier nos connaissances sur les pollinisateurs et la nourriture. Les données ont montré une croissance récente. Une croissance récente et non un déclin du nombre de ruches aux États-Unis d'Amérique et dans le monde depuis que l'utilisation des néonicotinoïdes s'est répandue dans l'agriculture américaine. Le nombre de ruches s'est maintenu au niveau de 2,4 à 2,6 millions, retrouvant récemment un sommet de 2,7 millions vieux de 20 ans. Moi, dans mon coin, ici à Sainte-Marthe, il y a euh, une ferme, hein, une grande ferme. D'abeilles, et je peux vous dire une chose, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème de population, mais vraiment pas. Une ferme d'apiculture, il y a plein, plein, plein de gens qui vont visiter ça, c'est accessible à tout le monde, c'est à Mirabel. Et je peux vous dire une chose, il y en a des abeilles, puis ça fait moi déjà 15 ans que je suis ici, puis on y va presque à toutes les années, puis il n'y a personne qui parle d'une disparition d'abeilles. Enfin, les données empiriques sous-tendant l'assertion que l'agriculture mondiale n'est pas confrontée à une abeille euh, calypse <laughs> étant devenues plus convaincantes, les activistes antipesticides ont tenté de détourner l'attention du public des abeilles domestiques qui font plus que se maintenir vers les immunoptères sauvages. <laughs> La situation de ces derniers interpelle les citoyens préoccupés. Parce que notre production alimentaire est tellement dépendante de la pollinisation par les abeilles, selon les activistes. La disparition des hyménoptères sauvages aurait nécessairement un impact sur la production agricole. Pas d'hyménoptères sauvages, pas de nourriture. Ce récit transfiguré offre également à ces marchands un avantage idéologique unique. Il n'y a pas de chiffres fiables sur les populations d'hyménoptères sauvages. Toute allégation de danger imminent. Peut donc résister à l'épreuve des faits. Mais ce récit ne, suit, euh, ne, survit, plus, euh, ne survit pas plus à l'examen. Dans une étude novatrice publiée en juin dans Nature Communication, 58 scientifiques du monde entier ont constaté que la grande majorité des espèces des mots, sauvages <laughs> qu'ils ont examinées, prospéraient. Ça ne va pas bien pour les activistes. Les, les, les fois qu'il se trouve une autre espèce, ça va être laquelle On est passé des abeilles aux hymenoptères sauvages. Quelle sera la prochaine Les activistes soutiennent que les hymenoptères sauvages sont tués par les insecticides néonicotinoïdes. Mais, comme le note l'étude, les espèces qui sont les pollinisateurs dominants des cultures sont les espèces les plus répandues et les plus abondantes dans les paysages agricoles en général. Ah, ah, la diversité des espèces sauvages qui bulletinent sur les cultures est limitée, mais en termes de population, ces espèces sont partout. Elles sont de loin le type le plus couramment rencontré d'hymonoptères sauvages. L'étude a montré que dans 99,7 des cas, les hyponoptères sauvages qui entrent en contact avec les cultures ne sont pas en déclin. Les espèces menacées sont rarement observées sur les cultures, concluent les chercheurs. Alors, pourquoi interdire les pesticides? Contribuerait-il à préserver telle ou telle espèce d'hyponoptères sauvages ou les zymenoptères sauvages en général? Il n'y a pas de problème généralisé avec les hyménoptères sauvages. Il y a des zymenoptères sauvages qui ne, sont, qui ne se portent pas aussi bien que d'autres et ces espèces ne sont pas liées directement ou indirectement aux néonix. Ou à tout autre pesticide. La solution à un problème particulier dit terre sauvage" départ de l'espèce concernée. Il n'y a pas de solution, taille unique. Et ça continue comme ça. Et c'est vraiment fascinant. Je vous laisserai le lien de ça, mais c'est vrai que c'est de drame en drame et de drame en drame, alors qu'il n'y en a pas de drame, sauf de l'hystérie, de la terrorisation, du terrorisme politique à tous les niveaux, pour naturellement faire part aux troupeaux de moutons. Qu'est-ce qu'il y a de plus formidable pour un berger qu'un troupeau de moutons qui a très peur